Cédric Comino, le leader d'Arbinois, qui va connaître la position à l'intérieur du départ. Et derrière, c'est le leader de Cherbourg. Ah oui, le leader de Cherbourg avec Dominique Charron, qui prend possession de la deuxième place avec Grégory Moussic, qui va reçu Mousse. Et qui vient être aussi dans ce top 4. Et voilà donc une nouvelle équipe de la grande finale de ce challenge avec le leader du Cherbourg. Et les ressources nécessaires.
عالية تحت السلم من الكرة ارفعوا عليه شكشين المنفر الكاسة وهذا الفينال يشكل منكم الانجليزات يشكل مسيو سعدل مبروك في تعني أطمع الانجليزاتي من بكم الانجليزات ويكون السيدة الاخذ البوليسيون وعبنا نبدا التنين اليأس الوهوب لبي أطمع الانجليزات وعبنا نبدا التنين اليأس الوهوب لبي أطمع الانجليزات وعبنا Allez, c'est parti, les amis, c'est représenté en plein centre de la piste par Louis Gauthier, il m'a impressionné dans les premiers mètres, il est à l'aise sur son cheval, le long de la station de voie. Regardez, Louis Gauthier, elle est parti de trop, elle est en préparation. La seconde de la salle de l'hiver, il est déjà salé pour le monde, il est déjà salé pour le monde, il est déjà salé pour le monde, il est déjà salé pour le monde. Avec Simon, Joe est à la troisième place, ici bien sûr, avec six chemins de vous dans le moment, on est pour l'engager. Qui prend l'initiative de cette demi-finale avec en deuxième position Louis Brunguené. C'est la ST Benix Race qui pointe maintenant à la deuxième position le Golden Convoy avec Noir Hamon et le but s'insérer à l'initiative de troisième position en plein sur lui, notamment par son extérieur avec Clément Dubois, le pilote d'Alzer. Je vous confirme, le pilote d'Alzer qui termine le troisième place en cette demi-finale. C'est le Manoir Luxe.